égard. Mon aîné dans le métier de journaliste à la Radio Nationale. Ceux qui l'ont connu, écouté, il avait une célèbre émission qui passait la nuit, l'émission « Bonsoir Clio », les aînés s'en souviennent. J'ai suivi ses nombreuses communications à l'Institut Guagasore, aux côtés de Charles Lemoukassi. Les années 1987-88, 1989. J'ai lu ses éditoriaux au journal L'Aube de la démocratie. J'ai été son conseiller principal et très ses communications à la présidence de la République jusqu'à la date du retour au pouvoir du major Pierre Bouyoya en juillet 1996. Peut-être que vous ne le saviez pas, j'ai subi ces turbulences, les manifestations d'avant juillet 1996 et tout ce qui s'est passé dans la capitale. Je souligne cela en insistant sur l'avant-propos qui commence par la page 41 et l'introduction qui commence par la page 53. Pour moi, les deux parties annoncent la couleur de ce que voulait communiquer dans son livre le président Sylvestre Ntibantunganya. Deuxième commentaire. L'auteur du livre, pour moi, est un observateur attentif. Un historien rigoureux, mais il a dit que ce n'est pas un ouvrage d'histoire. Un journaliste documenté et un homme politique qui aime les repères. Je souligne bien le mot « repère ». Le président Ntibantunganya multiplie les repères et les références pour prouver qu'il déteste mentir. Il fixe les événements dans leur contexte. Il fixe les acteurs sociaux et politiques face à leurs intérêts, à leurs calculs, à leurs défis et à leurs jeux. Souvent, les enjeux des crises décrites par l'auteur et les constellations politiques du moment dénouent les conflits réels ou artificiels dans une direction inattendue. Je vous donne un exemple, page 65, citation, « Pendant la première année, son pouvoir ne diffère en rien de ceux qui l'ont précédé. Ce sont les événements de Hega et Marangara qui lui imposent une logique de réforme nécessaire pour faire face aux graves contradictions politico-ethniques qui minent alors le Burundi. » Fin de citation. Direction inattendue. L'homme politique, M. Ntibantunganya, qui publie Burundi, démocratie piégée, réfléchit beaucoup. Hier, j'avais écrit parlez beaucoup et j'ai barré parlez beaucoup pour mettre réfléchit beaucoup. Il réfléchit beaucoup sur les trajectoires sociales et politiques de son pays. Il parle beaucoup pour éclairer. Il aime écrire pour témoigner. Parler beaucoup pour les uns, c'est une qualité. Pour les autres, c'est un défaut. Dans un pays qui a soif de vérité, et ici je parle comme président de la CVR actuel, j'estime que c'est une qualité, ce qu'il a fait. Parler, témoigner, écrire, nous donner des références, des repères sur les événements et sur les acteurs. Le Burundi a encore besoin des témoins vivants qui parlent pour éclairer le présent et la vérité. Dernier commentaire, monsieur le modérateur, et je termine. Je l'ai bâti sur deux phrases tirées du livre. La première phrase est à la page 25, paragraphe 3, je cite. Après 30 années de régime militaire, les attentes de ceux qui avaient porté le Frodebo au pouvoir ou qui ne craignaient pas cette accession étaient immenses. L'espoir n'a duré que quelques semaines avant qu'une série funeste ne s'enclenche. Sur quatre présidents, les deux premiers, Melchior Ndadaye et Cyprien Ntaryamira, furent tués respectivement
3 et 2 mois après leur prise de fonction. Les deux autres, Sylvestre Libanongana et Domitien Daizeye, dépossédés dès leur installation de l'essentiel de leurs prérogatives régalières par les militaires en charge de leur protection, bénéficiaient toutefois d'une sortie moins brutale, destitution par un coup d'État pour le premier et fin de mandat tel que prévu par l'accord d'Arusha pour le second, fin de citation. Cette citation tirée de la préface du professeur André Guichawa. André Guichawa, pour ceux qui le connaissent, il fréquente les provinces du Burundi. Parfois, vous le rencontrerez dans les quartiers d'Ongozi, en train de parler avec des gens qui connaissent l'histoire profonde de son pays. Il passe des sommets incognito. Je ne sais pas ce qu'il va écrire dans quelques années sur le Burundi. J'apprécie sa démarche parce qu'il approche ceux qui savent. Cette citation résume à elle seule les frustrations qu'un homme politique vit ou peut vivre quand les événements sanglants viennent contrarier et bousculer ses espoirs et ses ambitions. La deuxième phrase, et je vais terminer, elle est à la page 525. Et j'ai pris les quatre premières lignes de cette page 525. Citation. À la veille des élections de 2005, le paysage politique burundais a enregistré 35 partis politiques. Un véritable laminage a été ensuite opéré par les différents scrutins. Par les différents scrutins, ça veut dire 2005, 2010, 2015, c'est ça qu'il a voulu dire. Ils ont mis en évidence le poids et l'influence réelle de chaque parti, fin de citation. Je termine, il me reste quelques secondes, et je dis 1987, 1993, 2000, 2005, 2010, 2015, voilà ce que j'appelle les années repères pour comprendre les passions politiques et les déceptions électorales d'hier et d'aujourd'hui. Entre les passions et les déceptions, l'auteur, le président Libanongana, place sans le dire les surprises électorales qui alimentent pratiquement le chapitre 8 qu'il a consacré au Burundi de nouveau dans la tourmente. Monsieur le Président, votre livre est écrit avec beaucoup de sincérité, c'est mon avis. Je vous remercie pour la qualité des références et la pertinence de vos analyses. Vous avez eu des difficultés à trouver un titre à votre ouvrage. J'ai lu, j'ai compris, il y a eu beaucoup d'hésitations. J'ai trouvé une explication, je ne sais pas si vous allez l'accepter. Le poids des événements politiques que vous avez personnellement connus et auxquels vous avez survécu par hasard explique probablement cette valse entre plusieurs titres de l'ouvrage. Si j'avais été consulté par vous, je vous aurais suggéré l'intitulé suivant: Burundi, démocratie encerclée. Encerclée, j'ai trouvé le mot dans le livre, et non pas Burundi, démocratie piégée. Je m'explique. Encerclée par qui? Encerclée par quoi? Par la myopie sociale et politique de certains acteurs internes d'une part, et par les calculs géopolitiques et géostratégiques des acteurs externes visibles et invisibles d'une autre part. J'ai spécialement apprécié les développements faits au sujet des héroïsmes, des résistances, des audaces, des fuites en avant, des occasions manquées, des trahisons. Et je termine en disant que la marche du monde politique n'est pas un fleuve tranquille. Entre les complicités et les convictions, il y a souvent des complots. Entre les idéologies et les intérêts, il y a toujours des conflits. Les faux mensonges et les fausses vérités font peur au même titre. Monsieur le Président, je ne suis pas pessimiste. Merci pour votre aimable écoute.
Merci.